Ouais, la bougie c'est juste pour contrôler la compression. Donc on va un peu commencer. Merde. Chaîne de compression, ah, très très forte. Pour vous dire que c'est un kit 50 pour NIW, diamètre 40, année 2011, 2012 pardon. La cage d'aiguille, c'est une top perf. Je ne me souviens plus des références ni des dimensions. Je sais que c'était très galère à encastrer dans l'axe de piston. Donc voilà, là, au top prise directe, mal aussi. Ensuite, oui, vous avez le carter mal aussi avec le support incorporé. La pipe incorporée de mal aussi avec son clapet VL6 ou VL7, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai reçu avec la boîte dès que je l'ai reçu. Voilà. Bon, le petit filtre à air qui est là, il vient de Géant Casino. Le moins cher que j'ai trouvé. Mais apparemment, c'est pas mal niveau performance et niveau santé du carbu et du moteur. C'est très très bien. Le fameux carbu 17, gicleur de 82, donc d'origine, que je compte bien changer. Je vais passer en 120, voir un petit peu si le kit va bien aimer la tête de ce gicleur. Si c'est pas le cas, ben je baisserai, hein, s'il faut. Voilà quoi. Pour l'allumage, je vais peut-être mettre un premium MVT, rotor interne. Pour le moment, le calage, je m'y connais pas trop bien, donc j'ai essayé de l'emmener chez un collègue. Voir un peu comment ça va se passer. Et puis voilà, et voilà. Pour la bougie, je compte mettre une B9 culolant ou une B10 culolant. Tout le monde me conseille de mettre une EVX ou une Iridium. Bon, vu le prix que ça fait, ça coûte vraiment un bras, donc je préfère rester dans la limite du raisonnable. Donc voilà. Bon, en espérant avoir vu cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux à voir de cette vidéo. Et en espérant que ce moteur va marcher. Enfin, je l'espère. Voilà. Au revoir.